Tripod is white, a bit shaky. Sadly, Kota is already gone, which is a shame because there's an event today. There's some kind of protest, not protest, an action taken against Mango. I think you heard of what happened. They have this new jewelry collection that they called Slave Style. At least in French, is how they called it. They called it Stylist Clan. So, 2013 definitely is not acceptable. They're all going together and Châtelet Hall, this is the Mango they chose, and we'll see what's going to happen. Donc voici les bijoux, hein, les bijoux. Et nous demandons que Mango soit aussi libéré de cet esclavage mental qui est dans leur tête pour que Mango soit enfin Mango Unchained. Voilà. L'enseigne Mango, donc de prêt-à-porter, a mis en vente un collier. Donc collier qui avait pour intitulé « Collier style esclave ». Donc à l'issue de la commercialisation de ce collier, il y a eu, on va dire, une grosse vague d'indignation sur les réseaux sociaux. D'ailleurs aussi, certaines célébrités ont monté en ligne une pétition pour s'indigner contre la vente de ce collier. Et donc aujourd'hui, la brigade anti-négrophobie ainsi que le collectif anti-négrophobie a tenu à faire une action concrètement sur le terrain dans la boutique Mango de Châtelet. Comme on trouve que l'esclavage est trop moche pour être représenté en bijoux, on a évidemment été scandalisé qu'en 2013 qu'on puisse trouver que l'esclavage puisse être un style. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour manifester tout simplement, et c'est un ras-le-bol collectif, quoi. Même si c'est qu'une erreur de communication, c'est l'erreur de trop, l'erreur d'une erreur gravissime qui montre la société française, parce que c'est pas Mango qui est à mettre en cause précisément, c'est c'est un problème de fond d'une société qui banalise le racisme anti-noir, qui banalise la souffrance des Noirs, qui banalise ce qu'a été l'esclavage. Pour moi, il est hors de question de rester passive lorsque on a ce type d'insultes publiques. Remettre en vente un bijou qui rappelle ce passif, mais qui quelque part limite le banalise et quelque part le valide, le cautionne, c'est juste pas possible. En France, la négrophobie, c'est quelque chose qui est banalisé, je le dis parce que je le pense. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'on s'unisse et qu'on combatte tous ensemble ce fléau. Voilà. C'est pas Mango le problème, le Mango n'est que la manifestation de ce problème. Mais le problème, c'est un problème de société qui banalise tellement le crime qui a été perpétré contre les Noirs qu'une une traductrice qui marque collier style esclave ne se rend même pas compte du problème. Et c'est ça qu'on doit attaquer, et c'est ça qu'on attaque, c'est ce racisme de fond, ce racisme sociétal qui est viscéral et qui nous empêche d'accéder comme les autres, de manière égalitaire au logement, à l'emploi. C'est ce qui fait qu'on est contrôlé aux faciès, etc. Et c'est pas un procès contre Mango, c'est un procès contre la société, et malheureusement, et tant pis pour eux, Mango ont été les victimes parce qu'ils ont commis la faute de trop.